bienvenue au 25e festival du jeu et du jouet du JT. Ouais, c'est un gros stand, on a pas mal de monde. Et ça se passe plutôt bien, on a fait des belles choses pour l'instant. On va monter en hauteur là. Regardez, on a fait 4 mètres de haut à côté. Je mets des capes là. Bon. Et l'objectif c'est quoi? Bah de la faire assez haute. C'est déjà pas mal là, non? Bon, je vais essayer jusqu'à qu'elle tombe. Pour ce 25e festival du jeu et du jouet, on a 3000 mètres carrés d'exposition et 55 exposants. Et on a du jeu de société, du jeu en bois, du jeu vidéo. On a des Playmobil, des Lego, du Capla. On a divers jeux. Il y en a pour tout le monde, pour tous les âges. Vraiment trop bien. Il y a plein de choses. Il y a tellement de salles, tellement d'univers différents. C'est vraiment super chouette pour tous les âges. Qu'est-ce qui m'a marqué? Le bois, la sculpture sur bois. C'était vraiment, même les tout petits pouvaient faire, c'est super. Voilà, vous rajeunissez de 20 ans. Plus même. Ah ouais. Ça se voit pas, mais ouais, au moins 30. Ouais, ouais, top. Votre avis sur le salon? Ouais, cool. Relax, bonne ambiance, des gens sympas, des passionnés. Comme chaque année, ça fait 6 ans maintenant qu'on vient au salon du jeu et du jouet et on amène nos vieilles machines, des flippers, des bornes d'arcade, des ordinateurs, voilà, un simulateur donc, de voiture de F1 qui est juste derrière. Il y a plein d'animations et donc tout ça fait, ouais, je crois que ça doit faire 6 ans qu'on fait ça maintenant. Vous avez l'air concentré là. Oh bah oui, oula, je démonte un petit Père Noël. En Lego. C'est pas gentil ça. Mais non, mais comme ça les autres enfants pourront le reconstruire derrière, c'est ça l'important. Ça se passe plutôt bien, on a eu des petites visites, des petites mains sont venues réaliser nos petits modèles ou jouer sur la table qui est là, construire ce qu'ils voulaient. Donc pour l'instant tout se passe bien. Alors là c'est un escape game mobile, le principe c'est qu'en fait les gens s'enferment dans une salle avec un scénario donné pour 20 minutes, un temps donné, et en fait ils doivent remplir une mission. Là, ça va être de préparer tous les ustensiles et tous les éléments nécessaires au chef cuistot pour réaliser sa recette. Donc il y a la présence de nombreuses associations, donc par exemple il y a l'Amicale avec le bridge, le Scrabble ou le modélisme. On a aussi des associations de jeux comme par exemple Takajoué. Et la présence donc, de plein d'autres associations de multi-endroits, de multi-villes, pas que Eugène. Alors qu'est-ce que vous nous faites là? Je fais une balançoire de qu'on trouve dans les squares. Vous voyez? C'est un tout nouveau jeu, c'est le Barmoufix, c'est un jeu que j'ai créé et produit. Je l'ai créé en décembre 2019. On a pu faire le Salon international du jeu à Cannes en février 2020. Toutes les pièces sont fabriquées dans le département de l'Ain. Donc c'est tout made in France et voilà. Découvrir plein de jeux et avant Noël c'est super cool quoi.